Dessous, là, toute la partie filtre à manche et vous avez les silos de réactifs qui sont sur le côté. Et en bout, là-bas, vous avez le départ de la cheminée. Voilà, vous voyez que la cheminée n'est pas si grande que ça en diamètre. C'est la cheminée qui va évacuer pour l'essentiel de la vapeur d'eau, quasiment exclusivement d'ailleurs de la vapeur d'eau. Mais quel con. Non, je ne suis plus dans une cabine téléphonique, je suis effectivement de nouveau chez votre mari, mais... C'est la cheminée qui va évacuer pour l'essentiel de la vapeur d'eau, quasiment exclusivement d'ailleurs de la vapeur d'eau. Mais quel con. Non, je ne suis plus dans une cabine téléphonique, je suis effectivement de nouveau chez votre mari, mais... Quasiment exclusivement d'ailleurs de la vapeur d'eau. Mais quel con. Je suis plus dans une cabine téléphonique, je suis effectivement de nouveau chez votre mari, mais... Mais quel con. Non, je ne suis plus dans une cabine téléphonique, je suis effectivement de nouveau chez votre mari, mais...